Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va, ouais. Alors, comme d'habitude, un petit coup. Bon, ils sont propres donc ils sont incoiffables. Hein. Mais bon, pas grave, hein. C'est joli aussi. Bon, ils brillent. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo fourre-tout, les amis, fourre-tout. Fourzitou. Comme ce que j'aime faire en cuisine, fourzitou. Alors vous allez être étonné de cette chose. En fait, c'est un bracelet aimanté là, là et là, que je n'arrive pas à fermer tout seul comme d'habitude. Donc je l'ai mis en bague et en bracelet. Je trouve ça rigolo. Je demanderai à chérie tout à l'heure de l'attacher, mais il en a marre, chérie, de m'attacher mes bijoux. C'est pour ça que je vais acheter plus que des trucs joncs, aussi bien pour les mains que pour le cou. Et là, que des trucs qui se mettent comme ça, vous voyez. Surtout pas de petites. Voilà. Surtout pas de petites puces, parce que. Voilà. Les petites puces, il faut que chérie me le mette. Ça le gonfle. Ça le gonfle. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée avec des nouveaux trucs, comme d'hab. Et je voulais surtout. Ah oui, alors on va parler de tout et n'importe quoi. Je voulais vous montrer le très beau fard que j'ai sur les yeux. Alors, autant les autres, je n'ai pas été étonné. Je veux dire, voilà. Mais alors, celui-là, ils sont pieux. C'est un Yves Saint Laurent qui s'appelle Full Metal Shadow. Regardez. C'est ce couleur un peu. Ah, non, c'est un gris mauve. Et qui s'étale comme un gloss. Voilà. On remet un peu. Et alors, mais il est. J'ai pas mis de base. Hein. J'aurais peut-être dû mettre une base. Je le trouve, il manque un peu de pigment. Alors peut-être qu'on peut en mettre plusieurs couches une fois qu'il a. Merde. Voilà. Peut-être plusieurs couches une fois qu'il a séché. On va tenter. Voilà. Si je ressemble à un clown, ça ne changera pas bien, hein, de toute façon. En tout cas, je le trouve sombre. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a une espèce de brillance. Enfin, je le trouve très très bon. Mais c'est génial, un truc comme ça, ça se met. Comme rien, si vous en mettez trop, vous l'étalez au doigt tant qu'il n'est pas sec. Bon, j'ai pas tenté, mais voilà, moi je le trouve beau. Bon, au fond, un patin, enfin, machin. On n'est pas là pour parler maquillage aujourd'hui. Enfin, si, en même temps, hein. Si, en même temps. J'ai des lunettes ultra sales, je sais pas si vous voyez. Elles sont tout le temps sales, mes lunettes. Sur les verres, vous savez, progressif, c'est incroyable comme ça se salit. C'est très énervant. Bon, sinon, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Ouais, alors je crois, j'ai trouvé que le micro, il était là. On va voir. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'avez entendu ou pas? On ne pourrait jamais le savoir. Parce que j'ai remarqué que c'était épouvantable le bruit que je faisais quand je trafouillais là-dessous. Comme il y avait mes corbeilles avec tout en vrac dedans. C'est épouvantable, ça casse les oreilles. Oui, parce que je revisionne mes vidéos une fois pour voir ce qu'il en est, pour m'améliorer. Non, non, pas par... non. Parce qu'il faut s'améliorer et qu'il y a que seule solution pour s'améliorer, c'est les commentaires et se regarder soi-même avec détachement. Voilà. Bon, je suis forcé sur le. Ouais, j'avais envie. J'avais envie. Bon, c'est pas grave. Bon, en vidéo, ça se voit peut-être beaucoup plus ou beaucoup moins. Attendez. Mon arc de Cupidon n'est pas visible. Alors, je vais faire attention parce que j'ai un leggings blanc. Ouais, ouais, c'est intelligent. Avec ce pull et avec, pour sortir, puisqu'on doit aller boire un café au soleil. Si chérie, ça va, je vais mettre. Attendez. Oh là, yo. Mes bottines de cowboy. Elles sont belles, hein. Mais elles sont hautes. Moi, c'est galère. Je peux pas marcher avec. C'est-à-dire, si, je peux marcher, mais j'irai pas faire les courses avec, quoi, vous voyez. Mais elles sont sublimes. Il n'y a rien à faire. Très avec mon pull et mon legging. Oh, bon, là, c'est des chaussettes de maison. Ouais. Morcé, oui, un legging blanc. Il y en a qui diront c'est pas beau. Moi j'aime bien. Enfin, je sais pas la première fois j'en mets, mais je trouve ça fait été. Et comme j'ai des robes, j'ai acheté la dernière une robe rouge sublime qui me va très bien, mais qui est trop courte. Trop courte. Je l'ai acheté à cause, oui, à cause de Pimprenelle. Enfin, bon, de comment elle s'appelle son blog, c'est 50 ans et alors. Oui, c'est ça, mais comme ça. Parce qu'elle présente ses super tenues. Bon, elle est ultra mince. Mais moi, je me suis dit, je vais acheter la robe. La robe me va très très bien, mais elle est très courte. Et c'est beau et mille court. Là, même chérie m'a dit, là, vraiment, c'est trop court. Donc, je me dis, tiens, peut-être avec un legging blanc. J'aime pas les leggings sous les robes, mais pour l'été, pourquoi pas. Et là, en l'occurrence, j'ai mis un pull immense. C'est mon grand pull de folle, là. Mais qui est très long. Et je vous montrerai peut-être si j'y arrive. Et découpé sur le côté, c'est-à-dire il y a légèrement plus long derrière que devant. Voilà. Puis si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Bon, je voulais vous parler
des vernis aujourd'hui. Parce que là, je viens de mettre un vernis sublime que m'a envoyé ma copine. Alors, je ne sais plus laquelle. Pardon. Je ne sais plus laquelle m'a envoyé ce très joli vernis Inoxa. Première fois que j'utilise de l'Inoxa. Il s'appelle Rouge, je vais vous montrer. Rouge brûlant. Oh, comme moi. Bon, mes ongles, ces mains ne sont pas très bien faites parce que je les fais avec la gauche, alors forcément. Voilà. Inoxa, rouge brûlant. Et j'ai le même en rouge carmin. J'essaierai la prochaine fois. On va voir si tient. Parce que j'ai une très mauvaise surprise. Oui. J'ai pas de chance avec le truc de marque, moi, en fait. J'ai, parce que je trouvais absolument la couleur, je trouve toujours la couleur de ce Dior sublime, qui s'appelle Muguet. Un jour et demi, la tenue, il s'est caillé sur mes ongles. Or, jamais aucun vernis ne s'écaille sur mes ongles. Même les vernis à 2 francs 6 sous du marché. Et le Chanel à plus de 20, il s'écaille toujours. Un jour et demi, mais il s'écaille du bout là. Clac, clac, il s'écaille, quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, je suis pas contente. Ça me saoule. Ah, ça me saoule, hein. Oh, purée, comment ça me saoule. Alors, donc, j'ai essayé l'Inoxa en rouge. C'est pas ma couleur préférée, le rouge. Mais c'est quand même sublime, sur les ongles. On va vous montrer celle-ci, quand même. Plus jolie. Pourtant, c'est celle qui est handicapée, mais je la trouve plus fine. Enfin, plus fine. Avec ma finesse à moi. Pas du tout avec le rouge à lèvres. On est d'accord, on s'en fout. Moi, je m'en tape. Je voulais vous parler aussi. Ouais, il m'arrive un truc bizarre. Vous allez m'expliquer. J'ai la peau normale. Hein. Donc, je me crème le visage. Je fais mes soins matin et soir, bien entendu. Je nourris, j'hydrate, je fais tout le beans. Et hier, j'ai décidé de ne pas mettre fond de teint. Hier, j'étais à la maison. Je me dis, oh, je n'ai pas envie de me maquiller. Je ne fais pas de vidéo. Je n'ai pas envie de me maquiller. Et bien, alors, du coup, j'ai juste mis mon sérum, ma crème hydratante, de d'habitude. Et par-dessus, je me dis, tiens, je vais mettre juste la poudre bronzante, comme j'avais d'habitude, avec mes poudres à 2 francs 6 sous. Ou à 3 francs 6 sous. Ça dépend des fois. Des fois, c'est 3. Ouais, des fois, je vais jusqu'à 3 francs. Et bien là, figurez-vous, j'ai mis, je vais vous la montrer, si je la trouve. Oh merde, c'est celle-là. J'ai mis les beiges de Chanel. Bon, tout allait bien quand je l'ai mis. Et à midi, chose qui ne m'arrive jamais, j'avais la peau qui tirait, mais qui me tirait. On aurait dit que je n'avais pas hydraté depuis 15 jours. J'ai dit, donc, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est la peau. Je me débarbouille, je vais mettre de la crème hydratante. Et puis, ce matin, j'ai encore la peau qui tire alors que je ne l'ai pas mise. Ah, c'est pas faute, j'en ai pas mis. Elle me tire encore ma peau. Qu'est-ce qu'il faut faire, un peau tire comme ça? Tiraille. C'est super désagréable. Alors, je crois que les produits de luxe ne sont pas faits pour moi. Voilà, c'est mieux, ça brille plus dans mes lunettes. Là, on est calé couleur du jour, vous me direz. Hein. J'ai mis aucune lumière dans la maison. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, vous me direz. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais, je ne suis pas faite pour les produits de luxe. Il y a un problème avec moi. Ah non, les fards à paupières, j'aime bien. Même si ceux que j'ai utilisés avant-hier sont très beaux, très très beaux, sublimes, mais bon, pas de différence avec un fard à paupières moins cher. Ça c'est dit. Je suis désolée pour celle qui me l'a envoyé, qui est honnête, je t'aime. C'est pour rien, c'est ma peau qui correspond pas. J'ai une peau de prolétaire, moi. Je suis une prolétaire et je suis contente. Moi je viens d'un pays de plomb. J'ai pas le droit de le dire, de plomb. Ça commence par un P, ça finit par un C. Ouais, comprendra qui voudra, qui pourra. Mais que celle que ça concerne ne m'en veuille pas, j'ai pas dit le mot. Mauvais monde de prolétaire, d'ouvrier, d'agriculteur, peut-être. Oui, je suis issu de l'agriculture biologique. Oui. Voilà, bon, donc très beau vernis, brille, magnifique. Il est beau, je trouve sublime. Peut-être que je mets un rouge à lèvres rouge avec. Je ne veux pas. Je trouve que ça ne va pas. Je trouve que ça fait vulgaire. C'est agréable, hein? Donc, ça veut dire. C'est pas raison, c'est pas vrai. Rouge, c'est très beau. Bon, peut-être pour sortir. Pour tous les jours. Aller faire des courses à Lidl, rouge, ça fait un peu. Peut-être pouf, non? Mais pas. Et pouf en string. Coucou, ma copine. String, c'est string. Là, joli string sur les fesses, c'est ce que je veux dire? Coucou.
Bref, là pareil, c'est encore des trucs, ça. On va parler de livres, mais très rapidement, parce que normalement je le fais sur mon blog. J'ai lu ce livre d'Agnès Ledig, oh là là, vous n'allez pas le voir de toute façon, qui s'appelle De tes nouvelles. C'est la suite de, je regarde derrière moi, que je ne m'en rappelle plus, de l'autre qui s'appelle Juste avant le bonheur. Il est sublime, il est magnifique. Le premier, Juste avant le bonheur, il est génial, mais ça c'est la suite. C'est un feel good, vous voyez. On sent bien quand on lit ça. C'est vachement bien. Mais j'ai mieux que celui-là. Oh là là, 100 fois mieux, je vous le recommande. Lisez ce petit bijou. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la couverture, elle est trop belle. C'est de Véronique de Bure. Ça s'appelle Un clafoutis automate cerise. Je crois en avoir déjà parlé sur mon blog. Oh, coucou les filles qui me suivent sur le blog. Bon, elles sont peu à venir sur YouTube. C'est bête. Alors, attendez. Regardez comme il est beau ce dessin. Ouais, j'ai enlevé mes gros de pattes. Vous voyez comme il est beau? Attendez, je vais mettre devant mon visage. Vous voyez là? Il est sublime. C'est une dame de 90 ans qui raconte sa vie sur une année. Et alors, une dame qui a donc 90 ans, mais surtout qui assume son âge complètement. Comme moi, quoi. Elle habite à la campagne, dans le trou du monde. Et donc, elle raconte sa vie. Alors, ouais, c'est vrai. Ça donne envie de vieillir. Là, celui-là, c'est un super film. Il est géant. Il est géant, bon sang, les fiacs. Achetez-le, lisez-le. Bon, il coûte 20 euros. Bon, voilà, c'est un truc magique. Magique qui vous donne le peps, la joie de vivre. Vous voyez, c'est, je vous jure, celui-là. Vous m'en direz des nouvelles. Il est doux, il est chaud, il est doux. Et puis alors moi j'ai un truc. Tiens, ça va faire partie de quelques. J'adore sentir les livres. J'adore l'odeur de l'encre, du papier. Oh mais j'adore ça. Je fais ça à longueur de temps. Il y en a certains même que j'aime beaucoup, que je parfume. Ouais, je parfume mes livres. C'est mes livres, je fais ce que je les parfume. Je les corne. Bon là, je ne l'ai pas corné. Encore le. Je sais pas ce que c'est. Un prix dedans, je compte. Ben, le prix de chez De Citre. Voilà, ben gros. Ah non, 19,90. Il me rend 10 centimes. Oh, mon Dieu, les dents, pardon. Regardez pas les dents, jamais. Quand on en parlait. Bon, je vous recommande mille fois. Il est fabuleux. Oui, alors, quelques. Tiens, il m'est venu une idée. Parce que j'ai vu sur une vidéo un truc qui dit 5 choses à savoir sur moi. Alors, il y a deux choses qui me sont venues que je ne vous ai jamais dites. Par exemple, que j'adore. Renifler mes livres, ouais, je sniffe mes livres. Oui. Et une deuxième chose, qui est chiant, parce que bon, c'est quand même obligatoire, je déteste prendre une douche. Alors autant je déteste prendre un bain, ça c'est parce que j'aime pas tremper l'eau chaude, je vous l'ai déjà dit, ou l'eau froide pire, mais je déteste prendre une douche. En plus, moi c'est galère, c'est-à-dire, vous voyez, je suis gommée, mais attends, je vous explique, c'est super sexy. Par-dessus la baignoire, vous savez, je mets, je vous l'ai déjà dit aussi, non? Je sais pas. Ça s'appelle un banc. C'est-à-dire que c'est une planche qui se cale sur la baignoire, qui est adaptable aux différentes baignoires. Bon, moi, une baignoire taille normale. Hein. Et donc, je m'assois et je me lave. Donc, je veux dire, ça, c'est bien pour laisser poser des masques cheveux, pour se gommer le corps. Oui, c'est bien. Mais bon, c'est pas du tout sexy comme truc, quoi. C'est très confortable, c'est génial. Ah oui. Oui, mais c'est pas grave, je vais prendre des choses avec positivité. Sinon, personne ne voit dans ma douche. Je ferme la clé. Ah oui, je rentre dans la salle de bain. Ah oui, ça, c'est un truc à savoir. Je déteste qu'on rentre dans la salle de bain quand je lave ou que je me prépare. Et dans mon coin make-up quand je me maquille. Je supporte pas que quelqu'un vienne. Je sais, ça me déconcentre. C'est trop intime, je trouve. Même mon chéri, je le jette. Le pauvre, vous allez voir qu'il est martyrisé sans fin. Cet homme. Mais là, il va martyriser, il est heureux comme tout. Il veut surtout pas. Il veut que je sois collé à lui. Là, il attend que je revienne parce que ça le gonfle que je ne sois pas à côté de lui. Oui, ça le gonfle. Ouais, ça le gonfle, ma crise. Oui, tu as droit à chaque vidéo. Ça me gonfle. Coucou, mes chéris. Bon, j'arrête là, mais j'ai rien à dire d'autre. Allez, salut, bisous, bisous. Je vous aime, je vous dis à demain, je vous vois une vidéo, quoi, je sais pas. Peut-être maquillage. Enfin, peut-être un maquillage. J'adore, en fait, faire des make-up avec vous. C'est drôle parce que c'est pas pratique du tout, mais j'adore. Bon, allez.
je vous aime. Ah oui, vous voulez vous montrer? Non, je vous montre pas. Vous avez vu mon pantalon? Ouais. Bon, c'est un caleçon blanc. C'est une bonne idée, hein. Il est encore blanc. Oh, je me suis maquillée avant. Ah, ah, pas timbré là, Flo. Allez, je vous aime. Mes chéries, toutes mes chéries. Et ma copine que j'ai rencontrée, elle est encore à Lyon, mais bon, elle reste un peu avec son fils, hein, quand même, avant de retrouver son pays de la main de Carcassonne. Voilà. Je vous aime. Salut les chéries. À demain. Commentaire, abonnement, parce que je vais rater mon défi, figurez-vous. Ouais. Il me manque 10 abonnements. Non, j'ai des conneries. Plus. Je voulais atteindre les 200 avant la fin du mois d'avril, je vous le dis, maintenant de janvier, ben c'est raté, j'en suis à 141. Vous me direz, 141 abonnements en un mois et deux mois. Pas mal quand même. Mais non. Ah oui, pour moi, c'est beaucoup. Ouais, pour d'autres, ça. Ah oui. Le printemps est arrivé, la belle saison. Le printemps est arrivé sur ta maison. Bon, c'est une vraie très vieille chanson de Michel Fugain que j'adore. Allez, salut. Le printemps.